et bienvenue dans l'épisode numéro 9 sur le thème « Comment devenir un super toi-même » de l'émission quotidienne « À cœur ouvert » avec Stéphanie. Et donc, je vais d'abord commencer par me présenter très rapidement. Je m'appelle Stéphanie Cloisil, je suis créatrice de bonheur. Et en fait, eh bien, après avoir créé du bonheur autour de moi dans un environnement pas forcément propice à ça, eh bien, j'ai décidé de mettre à ton service, en fait, toutes les techniques, tout ce que j'ai pu apprendre pour que tu puisses gagner du temps et que tu puisses toi aussi créer ton bonheur. Donc, aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un super toi-même. Alors, pour moi, devenir un super soi-même, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire être soi, mais en mieux. Ça ne veut pas dire être quelqu'un d'autre, être comme machin, être comme truc, non. Ça veut juste dire que ce que tu es au plus profond de toi, toutes ces belles qualités, même si on a tous un petit peu des défauts, eh bien tu vas pouvoir les développer et tu vas pouvoir devenir un meilleur toi-même. Donc pour moi, devenir un meilleur soi-même, c'est, enfin un super soi-même, c'est devenir un meilleur soi-même jour après jour. Alors, comment on fait? Eh bien, il suffit tous les jours de faire un petit pas. Par exemple, si je peux donner un exemple qui me concerne, j'avais tendance à pas mal gronder mes enfants, à m'énerver très rapidement dès qu'ils faisaient quelque chose qui me plaisait moyen. Et alors, je ne suis pas parvenue du jour au lendemain à les gronder toutes les deux secondes, à ne plus les gronder du tout. D'ailleurs, je les gronde toujours un petit peu quand même. Mais je m'énerve beaucoup moins vite en général. Et donc, j'ai commencé à faire attention aux interactions que j'avais avec mes enfants. Et puis, petit à petit, je me suis énervée moins vite. Et chaque jour, en fait, enfin, plus que chaque jour, parce que là, ça pouvait être plusieurs fois dans la journée, à chaque fois que j'avais un peu dérapé dans mon interaction avec mes enfants, eh bien, je réfléchissais un petit peu et puis je me disais, mince, là, quand même, t'as abusé. Est-ce que ça méritait vraiment que tu te mettes dans cet état et que tu t'énerves comme ça? Et après, je me disais, bon, bah, la prochaine fois, tu vas faire attention à ne pas le refaire. Voilà. Et donc, petit à petit, comme ça, ça c'est un sujet, hein, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a le rangement aussi, par exemple. Enfin, voilà. Petit à petit, dans ma vie, chaque jour, eh bien, je tente d'améliorer une nouvelle chose. Et, oh, pardon, ça me gratte. Par exemple, demain, j'essaierai de ne pas me gratter pendant la vidéo pour devenir encore un meilleur moi-même. Voilà. J'essaierai non plus de ne pas remettre mes cheveux comme ça tout le temps. Mais c'est un peu agaçant encore pour moi. Hein. On ne peut pas être parfait tout de suite. Donc, voilà. En fait, il s'agit simplement... Alors, bien sûr, quand je dis « il s'agit simplement », je me suis arrêtée. Parce qu'en fait, il faut bien quand même que tu aies des bases peut-être ou des pistes. Et c'est vrai que par exemple, cette série de vidéos que moi je fais ou que d'autres font et qui sont formidables, eh bien, peuvent t'aider à prendre des nouvelles habitudes, à avoir des nouvelles idées pour voir les choses autrement et du coup, bah, pour faire les choses autrement. Ça, c'est certain. Mais donc, petit à petit, eh bien, tu vas prendre un sujet dans ta vie, puis un autre, et puis, essaye simplement d'être un tout petit peu meilleur toi-même chaque jour. Et tu vas voir que tu vas devenir un super toi-même. Alors, je fais des grands gestes parce que hier, on m'a dit que je pouvais être vraiment moi-même. Et moi, j'aime faire les grands gestes comme ça. Bon, j'espère que vous n'avez pas tous perdu quand même. Surtout que je vous ai même pas dit que vous pouviez m'envoyer un message pour me poser toutes vos questions. Et que vous pouvez aller sur le site stéphaniecloisil.com pour aller télécharger un cadeau gratuit que je vous réserve et qui va t'aider d'ailleurs à devenir aussi un super toi-même. Alors, à demain pour déjà le numéro 10 d'À cœur ouvert à Stéphanie. Je te souhaite de devenir le plus super toi-même du monde. Je te fais plein de gros bisous et moi, je vais partir être une meilleure moi-même à la réunion de l'école. Plein de bisous où que tu sois et à demain.